Salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Anthem. J'ai changé un petit peu de choses au niveau du micro, vous me direz des nouvelles de ça dans les coms. Toujours dans les coms, restez très courtois, très poli, vous êtes parfait. Et vous pouvez voir qu'il y a un léger changement, il semble tout propre. Oui, c'est parce que j'ai joué un petit peu en freeplay, j'étais pas censé tourner aujourd'hui. Mais fuck it, je tourne et du coup il est tout propre, j'ai trouvé la skin tout propre. En fait, farmant les différentes réputations, entre guillemets, des factions. On est donc parti. Crac. On va faire une petite mission, hein. Vous voyez, j'étais en partie libre un petit peu plus tôt. Runes Arcanis, ça pourrait être intéressant de les faire, mais je sais pas comment qu'il va me... J'en ai trouvé quelques-unes, en fait. J'en ai trouvé quelques-unes, mais je sais pas ce qu'il va me dire, en fait. Est-ce que c'est aller les chercher, ou est-ce que c'est autre chose? Je suis curieux. On va bien voir. Lancement de l'expédition, il me fait un matchmaking... Ouais, il me fait un matchmaking normal, hein, c'est-à-dire un matchmaking classique où je vais chercher des gens pour faire la mission. Puisqu'en fait, il est légèrement différent, le matchmaking du freeplay, vu qu'en fait, il vous lance directement dans une game, et ensuite, s'il y a des gens qui ont lancé au même moment, ça vous prend en même temps, etc. Mais ouais, sinon, c'est plutôt pas mal s'il m'envoie une mission qui m'indique exactement où sont toutes les runes. Je crois que j'en ai trouvé 3 ou 4, hein, sur les 10 à trouver au total. Donc j'ai quand même un petit peu bourré le jeu. J'ai tenté un 1v1 avec un titan. Comment dire? C'est compliqué. J'ai enlevé, je crois que un peu plus du premier tiers de CPV. Sauf qu'après il passe à des phases où j'ai l'impression que solo c'est compliqué. Faut savoir que j'en ai beaucoup chié pour lui enlever ce tiers de PV, mais bon. Salut les mecs. Bon, où est-ce qu'on va aujourd'hui, Mathias? Des machines très fragiles ont été abîmées. Mm-hmm. Il faut les arranger. D'accord. Tu peux aller t'en occuper. Pas de soucis. J'y vais. Les gens commencent à se dire, voilà, si je vole près de l'eau, je chauffe pas, donc autant en profiter à fond. Alors pour le moment, je n'ai pas vu de différence entre les différents... Oula. Beaucoup de réparations sont nécessaires. Je suis heureux que tu aies accepté. Hop là, touché. C'est bon. Réparé. Bon, salut. Boum. Hop là. De rien. Et regardez. Il est parti faire les kills, il a pas réparé à droite. Ça se voit bien. Je joue avec des branleurs. C'est quand même moi qui ai le plus beau. Hein. Des 4, c'est moi qui ai le plus beau javelin. Regardez ça. Salut. J'ai failli oublier. J'ai une autre mission pour toi dans le secteur. J'ai réussi à déterminer la position d'autres runes. Je voudrais que tu y ailles. Ah, nice. Ah. Ils veulent vraiment faire les kills ou... Le truc c'est que voilà, regardez, il y en a un qui est parti. Et ça c'est pas fun. J'ai récupéré l'alliage chimérique. Radjevich. Et donc j'ai pu vérifier, en tout cas sur l'intercepteur les amis, que le style de saut est bel et bien différent. Oh non mais arrêtez de vous battre pour... Oh. Bien vu. Voici l'endroit. Les sources indiquent que les runes sont ici. Aucun doute. Voyez donc 5. J'ai compris. Couché. Alors on m'a conseillé de jouer sneaky. Je suis désolé. Ça y est. Il doit y en avoir d'autres. C'est pas vraiment mon style avec un tank de jouer sneaky. Hop là. Ça brûle. Hop. Je suis désolé des chansons dans la tête de Disney depuis quelques jours. Pardon. Aïe. Et tu m'as tiré une balle dans le genou. Alors, t'es où? Voilà.
Hop là. Problème résolu. Je sais pas si ça, ça compte pour celle que je suis censé trouver. Il dépote mes potes, hein. Il dépote. Blac. Il dépote mes potes. Ah, je suis un peu court. On me le dit souvent, mais. Ça chauffe ? Quelle rapidité ! Merci ! Ça devrait suffire. Ouais, mais c'est. Alors attends, je suis précoce, mais y a une raison à ça, hein. Ça faisait très longtemps. Il a fait une valse. Ok, très bien. Merci. Merci beaucoup. J'ai une affaire pressante sur les bras. Oula, t'étais avec ton shield, mais tu n'en as pas. On a un problème dans le secteur. Et c'est lié au déluge. Ah bon ? Pardon, excusez-moi, je suis plus gros que vous. Je passe d'abord. Bon. Salut. Relique, elle sera bientôt hors de contrôle. Récupère ses fragments et neutralise-la. Oui, madame. Ah, je croyais que je l'avais pas. Une relique, je croyais que c'était un coffre. Ouh, bonjour. Il y a aussi un Ursix. Précise pas, hein, mais. On en a un qui a décidé de bourrer. J'arrive pas à l'incendier, hein. Moi je te caque moi s'il faut, bonhomme, hein. Viens papa. Viens papa, te dis-je. Je suis à court de. Bon. Non, mais tu crois que je vais avoir peur de toi? Je pourrais te bourrer à l'ult moi s'il fallait, hein. Oh là là. Quel combat. Merci, merci beaucoup. C'est gentil. Sincèrement, ça me. Salut. Excusez-moi. Je bourre. Merci. Oui, bonjour. Alors, un petit détail sympa sur cette arme électrique qui me plaît vraiment beaucoup. Je l'ai eu ? Non. C'est que je peux shield et l'utiliser. Elle est sur mon épaule. Je sais pas si c'est le cas pour toutes les armes qui sont à son endroit là, mais c'est ultra efficace. Alors. On peut laisser les copains faire, hein. Allez les copains. Oh mais il est magnifique. Pardon. Recharge. Et donc. Excellent travail. Merci. Tu m'as été d'une aide précieuse. Ah, regardez ça si c'est pas moche. Franchement. Regardez la différence entre le mien et le tien. Allez, salut les mecs. J'ai remarqué un truc, vous avez vu la texture de mon shield à l'intérieur? Elle utilise la texture que j'ai mis dessus. Donc, eh ben, je me pose la question, est-ce que les plastrons, les différents plastrons, les différents bras ont un shield différent? Ça m'intrigue. Ah, bande de moutons. Moi, je suis différent. C'est quand même moi le plus beau. Pardon, hein, je vais le dire souvent, mais... C'est moi le plus stylé. 10 minutes pour une mission, mais on pourra en faire un paquet. Blam. Blam. Vu que c'est pas le truc le plus intéressant du monde. Remplacement de consommable déverrouillé. Je sais même pas ce que c'est qu'un consommable. Ah. Plan de consommable. Ah bah, voilà pourquoi. Pour l'armure max, le bouclier max, la chaleur max des propulseurs et la vitesse de rechargement de l'équipement. D'accord, oui, la bouffe, c'est l'équivalent de la bouffe dans les mémos qui te rapporte un buff momentané, quoi. D'accord, ok, très bien. Ouh, c'est quoi? Expert des explosifs, d'accord. Marteleur, ouais, très bien. Fusil à pompe, pourquoi pas. D'accord, ça par contre, ça peut être intéressant.
Faudrait aller à la forge, s'il vous plaît. Faudrait quand même que je vérifie un petit truc. Donc c'est pas le propre. Je vais peut-être dire que c'était propre. En fait, c'est le standard. C'est l'état standard. Il y a l'état propre, mais c'est plus tard à récupérer. J'y pense que maintenant, c'est vrai que je voulais absolument faire le... Pour guillemets, la précision. Plus 15% d'armure max, ça c'est pété. Hein. Alors je vais garder ça pour le moment. Et ici, j'en ai un en 12 de mémoire. Non, j'ai pas en 12. Si, là. Ouais, bon. Je devrais me battre avec un lance-grenade, je le sens pas. Honnêtement. Ça par contre c'est intéressant. C'est quoi d'équiper moi? Ouais bah si c'est juste pour renforcer l'armure, là j'ai mieux. Même si j'ai pas vraiment de dégâts explosifs. Cela dit, si je crois que mon impact est explosif, donc c'est pas mal. Et vous voyez, mon colosse est passé au rang inhabituel, nice. Très bien. Très bien, très bien. Donc, à mon avis, c'était pas les mêmes. Les mêmes trucs à chercher que là. Malheureusement. C'était juste une mission qui indiquait plus ou moins le même genre d'événement. Mais en fait, il y a des collectibles. Des objets collectables dans la map à récupérer à foison. On va pouvoir le montrer. Ici, défi. Objet collectionnable. Vous voyez, et là, ici, il y en a 200. C'est pour les alliages chimériques, ça va. C'est pas les trucs les plus chiants à choper, c'est les composants en fait. Et ici, il y a quelque chose que je ne sais pas ce que c'est. C'est en rapport avec la mission principale. Hop. Et normalement, il y a une statue qui est arrivée quelque part. Normalement, il y a une statue de quelqu'un qui est arrivée quelque part, parce que c'était avec le leveling. Je devais mettre une statue quelque part. Où est-ce que je la calerai? Putain, c'est lent. Je reconnais que ça commence à être lent. Je vais balader là-dedans. Prospero, il a rien de neuf. Hein. Je sais pas. Bonjour. Vous êtes? Salut, freelancer. Quoi de neuf? Gianni. Salut, Gianni. Sauver le monde? Toujours. Oublie ça. Je suis parti faire pipi, je sauvais le monde. Désolé, je suis un peu sur les nerfs. Ça se voit pas. Un porteur rempli de rations et de batteries que j'avais commandé a été pris par les régulateurs. Tout le monde va bien? Il y a eu des victimes? Non. Tout le monde a été sauvé. Merci de demander. Au moins une bonne nouvelle. Ouais. J'aimerais juste que... Je veux dire, je suis né ici. Fort Tarsis, c'était super avant. Les gens méprisaient le fort parce que c'était pas Antium ou Liberalia. Mais moi, je l'aimais comme il était. Mais t'étais jeune. Tout à fait. Mon frère Kismet et moi, on grappait aux échafaudages Kismet pour mort. Passer les arpenteurs. Et le marché était rempli de gens qui avaient le sourire et de trucs sympas à acheter. Même le soleil brillait plus. C'est peut-être juste mon imagination. Mais c'était avant le Maelstrom. Donc c'est possible. Pauvre Fort Tarsis. Il ressemble plus à rien maintenant. C'est à se demander pourquoi je reviens toujours. Parce que c'est chez toi. Ici, c'est ta maison. Même si tu sais que tu pourrais trouver mieux. C'est vrai. Est-ce que c'est stupide de ma part? J'ai le droit de pas répondre à ça. Bref, tout ce que je possède se trouve de l'autre côté de ces portes. Je crois que je suis coincé ici. Mais toi, tu peux encore te sauver. D'accord, bonne chance. Je suis freelancer Gianni, au fait. À bientôt. Son prénom c'est freelancer et son nom de famille c'est Gianni. Ok. Très bien. Je le dis. Où est ma statue? Les âmes. Putain, je crois qu'il y avait une statue. Je suis certain d'avoir débloqué une statue quelque part. Hein. Oh bah. Fuck! Vous êtes nombreux là-dedans ou c'est moi? Ouais, t'es nombreusement tout seul, ok. On va être dans le bas d'avoir plus de monde. Enfin, je le tiens! Qu'est-ce qui se passe? Les runes étaient bel et bien la clé. C'est fou de se dire qu'elles étaient là tout ce temps à attendre. T'as trouvé quelque chose? Excellente question, à laquelle j'ai une excellente réponse. La dernière demeure du Codex Élyséen. Je sens que je vais repartir en expédition, moi. Les runes évoquent une chambre forte spéciale dans une haute tour au sommet d'une montagne. Des objets de pouvoir y ont été amassés. Reliques des démurges, artefacts venus de par-delà le jusant occidental. Et un manuscrit? Tout juste. Un manuscrit très spécial. Un codex. Bon, une tour au sommet d'une montagne.
C'est pas trop dur à localiser, j'imagine. Ok, très bien. Ça ressemble un petit peu... On se rapproche de la mission qu'on a eue pendant le premier week-end, enfin le week-end de démo. Les deux week-ends de démo. Mathias pense avoir trouvé l'emplacement d'une de plusieurs runes arcanistes pouvant contenir des indications menant au célèbre Codex Élyséen. Il a besoin de l'aide d'un freelancer pour le retrouver. Ouvrage perdu renfermant le savoir des anciens arcanistes, un puits de connaissances inestimables. Nombreux sont ceux qui sont partis à sa recherche, et sa découverte serait une avancée inimaginable. Brillant et curieux, l'arcaniste Mathias Eril Sumner pense que l'humanité ne peut survivre à ce monde chaotique en approfondissant sa compréhension des instruments des démiurges. C'est pas complètement faux en même temps. Hein. Connais ton ennemi, hein. c'est dans l'art de la guerre, pardon. Hein. C'est une base. Hein. Tu savais qu'une fois, je m'étais planqué... Oui, et c'est là que tu t'es mis à puer. Oui, non, j'ai déjà entendu celle-là, c'est moi la troisième fois. J'en ai encore l'odeur dans le nez, quoi, c'est terrible. C'est affreux. Et il se moque de nous. L'amour s'amène à nous, pauvre pouille. Si ça, c'est pas un pédophile, je sais pas ce que c'est. Bonjour. On dirait que c'est ton jour de chance. Ah bon ? Quoi ça ? Tu viens de me faire mettre un doigt ? Sur le doyen de Fort Arcis. Je m'appelle Jarek. Heureux de vous rencontrer. Moi de même. Tu sais, on ne vit pas aussi longtemps que moi sans avoir vu pas mal de choses. Ouais, ça dépend. Quoi, par exemple ? J'étais là quand les Scars ont envahi les terrasses du fort. Un vrai bain de sang. Ça s'est passé il y a plus de 50 ans. J'ai l'impression que c'était hier. J'étais là aussi quand les Scars ont passé la muraille. Qu'est-ce que tu dis de ça ? J'en dis que vous avez vu beaucoup de choses. Ou que t'es un gros mythomane. Plus que tu n'en verras jamais, c'est sûr. Vous ne me connaissez pas ? Ferme-la, c'est pas parce que t'es vieux que t'as passé beaucoup de choses. Hein. Pourquoi vous pensez ça ? Parce que j'ai rien connu d'autre dans ma vie. Que des massacres et des catastrophes. Ah, bah ouais, pourtant t'as survécu, donc soit t'es un planqué. À des attaques du Dominion et à des proscrits. J'ai même réussi à échapper à des wyvernes. J'ai vu assez de morts pour au moins 50 vies. Et pourtant, je suis encore là. Et donc, c'est quoi votre secret pour survivre ? C'est pas un secret. Je suis pragmatique. J'ai toujours fait ce que j'avais à faire pour survivre. Et qu'est-ce que vous avez fait véritablement ? Vous avez vendu des gens ? T'es confronté à des choix difficiles ? À toi de me le dire. Ouais, c'est ça. D'accord, le mec il a joué. Le mineur qui extrayait du minerai près d'Eliost. Quand le puits principal s'est effondré, nous nous sommes retrouvés bloqués derrière un grand mur de rochers, sans savoir combien de temps il faudrait au secours pour arriver. J'ai eu la chance de trouver une bouteille d'eau, mais nous étions six. Une bouteille d'eau pour six mineurs ? Combien d'entre vous s'en sont sortis ? Ah. Je suis le seul. Voilà, il a gardé la bouteille d'eau. Pourquoi seulement vous ? Parce que j'ai gardé la bouteille d'eau pour ma gueule. Vous avez été le seul survivant ? Si j'avais partagé l'eau... Voilà, on a affaire à un connard de première. Vous avez décidé de laisser mourir 5 personnes pour sauver votre peau. Je te l'ai dit, je suis pragmatique. Je suppose que c'est pour ça que vous êtes le doyen de Fort Arcis. Ne me juge pas. Tu as vu la mort. Tu as fait des choses. Je le vois dans tes yeux. Ne me juge pas. Généralement une lueur de tristesse ou d'expérience. Mais chez certains, cette lueur se transforme en éclat. Et cet éclat signifie qu'ils aspirent à encore plus de morts. Sois prudent, freelancer. Chez toi, je vois encore une étincelle. Vous êtes un enfoiré, monsieur. Je l'avais dit dès le début, hein. Hey, sale tricheuse. Je te conseille de bien réfléchir à tes accusations. Amalia ? Je sais que t'as triché. Hey, vous avez passé mon verre. Je crois que t'as assez bu pour aujourd'hui. Ah ouais, je crois aussi. Assez bu, je te sonnerai. Bonjour. Salut. Je faisais qu'écouter, hein. Rien, tout va bien. Culé, rien à voir. Y'a personne qui veut m'adresser la parole ? Je vais me faire foutre. T'avais une mouche sur la gueule et tu viens de te la taper dessus, quoi. C'était... Pouah. Max, sauve-moi de ce merdier. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui ? Mathias Sumner. Il est vraiment banni du bar ? L'arcaniste ? Oh que oui. En théorie, il n'a pas le droit d'être à moins de 500 mètres d'ici. Mais le fort n'est pas aussi grand. Tu peux lever la sanction, c'est un copain. J'imagine que je peux pas te convaincre de lever l'interdiction. Au moins temporairement. Un jour où les sentinelles se chargeaient de la maintenance du mur, une wyverne en a profité pour entrer ici. Il a fallu 3 exos pour la faire sortir des toilettes des hommes. Eh bien, elle a fait moins de dégâts que ton pote le génie. J'ai du mal à le croire. Pour la wyverne et pour Mathias. Tous les arcanistes sont fous. Lui réunit la démence de 3 ou 4 d'entre eux à la fois. Bon, bref.
Tout va bien sinon? Pas de malédiction ou quoi que ce soit? C'est pas comme ça que ça marche. Le type avant Dusty, Xeno quelque chose, il a pris les commandes et changé le nom en Palais des Perles Noires. 2 mois plus tard, il meurt foudroyé. À l'intérieur du fort, des sentinelles l'ont retrouvé carbonisé et soudé à sa chaise dans l'arrière-salle. Il se passe des trucs vraiment pas nets. Mais ça, tu le sais qu'une fois sur place. C'est juste la poisse, c'est rien. Tu vas survivre. Je vois plein de choses dans la jungle au moins aussi étranges. Plus t'avances dans la frontière, plus ça devient détraqué. C'est pas ça qui m'arrête pour autant. Et puis c'est le seul endroit pour se rincer le gosier entre Antium et Alheim. C'est quasiment les mêmes prix qu'à Helios. Pas question de lâcher ça à cause d'un conte d'horreur. L'argent! Ok, merci Max. Tu veux toujours pas me payer un verre, j'imagine. Tu m'as dit que le premier était gratuit, mais tu me l'as toujours pas offert, donc... Enfin bref. La lessive, c'est comme la vie. Si un jour tu arrives à trier tout ton linge sale, fais-le moi savoir. Liam Neeson, qu'est-ce que tu veux? Content de te voir. Faut que je te prévienne, pour la patronne du bar. Mais t'es qu'un connard! Elle s'appelle Max. Ok. Oh mon dieu, je savais pas! Attention avec elle. Conseil d'amis. Non, on n'est pas amis. On n'est pas vraiment amis. Peut-être pas encore, mais on commence à bien se connaître. C'est un bon début, non? Ouais. Ne réponds pas. Ce que je dis, c'est que cette Max, elle aurait des connexions chez les régulateurs. Au fort, on dit que si tu lui dois de l'argent, tu risques de finir dans un camp de Scar, face contre terre, déchiqueté par les Weavers. Pour l'instant, c'est elle qui me doit le prix d'un verre. Hein. Pourquoi elle t'a pas livré à eux? Je te dis juste ce que j'ai entendu. Pour pas qu'il t'arrive de mal. Merci pour les tuyaux. De rien, mon ami. Ah putain, on n'est pas amis! Ah! En plus, c'est chelou, je vais à un endroit, bizarrement, je te trouve juste derrière la porte. Je peux te dire que ça me fout les boules, moi. Ah merde, je suis entouré par des connards, ça ne va pas. Bon, oh. Nice. L'hymne de la création mise à jour. D'accord, très bien. On va aller voir par là, j'ai pas encore fait. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour! Merci. Merci de. De vous être rapproché, pour ne pas gêner la circulation piétonne. Vous étiez sur le côté, ça m'a paru logique. Pardon, je pensais que vous m'aviez déjà vu dans un de mes forums sur la sécurité publique. Désolé, j'étais pas au courant de leur existence. Je m'appelle Prindelblatch, je suis le gestionnaire du fort. D'accord. J'entretiens et j'améliore tous les lieux et espaces publics. C'est le concierge. C'est un sacré travail. C'est titanesque. Je recueille des avis sur une initiative d'amélioration de la vie à Fort Tarsis. Vous voulez bien participer? Hop. Éventuellement, oui, je veux bien, moi ça me dérange pas. Hein. Si je peux améliorer Fort Tarsis. Excellent. Répondez aux questions suivantes. Est-ce que A, vous pensez que le fort a besoin d'amélioration immédiate pour fonctionner plus efficacement? Ou B, vous reconnaissez que le fort comporte des insuffisances criantes qu'il faut corriger? Ces deux propositions ne veulent pas dire la même chose? Non. La réponse A suggère une action immédiate. L'autre identifie des problèmes et propose des solutions. Je doute que le fort ait envie de changer. Qu'il ait envie ou non, il doit changer. Il y a trop de problèmes de sécurité. Tenez, les piétons par exemple. Piétonniers, vous dites? Oui, les gens marchent et s'arrêtent ou ça leur chante. Résultat, congestion, collision et agressivité. Je propose de mettre en œuvre des voies piétonnes et des règles de priorité. Les gens vont détester. Les habitants n'accepteront jamais. Je ne suis pas d'accord. On disait que la fontaine était inutile, mais une campagne de restauration est en cours. Et c'est grâce à moi. En quoi une fontaine améliore l'efficacité du fort ? Elle crée un point de rendez-vous et donne un sentiment de fierté communautaire. Or, les gens heureux sont plus productifs. Elle marche, cette fontaine? Pas en ce moment. Un problème de canalisation. Ravi d'avoir discuté avec vous. Je vous laisse, j'ai un rendez-vous sur les consignes d'équipement aux abords de la forge. Bon courage, alors. Merci. C'est pas facile d'assurer la sécurité du fort. Le mec, il veut déjà mettre... Alors, le code de la route en France, bon, tout le monde s'en bat les couilles, hein, qu'on soit bien clair. Hein. Et il veut en créer un pour les piétons. Ah, ça s'ouvre pas. Garantie pour oculaire. Okay. Je vais pas tout lire, hein. Si vous voulez que je les lise tous, dites-le dans les coms et moi je m'adapterai. Oh, joli. C'est joli, c'est joli. J'adore l'ambiance. C'est peut-être un petit peu lent, les déplacements, etc. Mais l'ambiance est présente. Wow! Le lancier pourpre. Ah, musicalement, c'est chelou.
Ah, c'est une série, c'est même pas de la musique, c'est une série. Okay. Des paniers, des paniers, des paniers. Moins 50% sur les paniers. Pas cher, pas cher. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Oh. Général Elena Tarsis. Ouh, avec une épée. Y'a pas de mec avec des vraies épées. Y'a le bâton électrique des autres trous du cul de rangée là, mais. Les rangées, c'est. On a un cadavre. Oh, oh, dites-moi que ça va le réveiller. Ils dorment. Ils dorment tous les deux. Pardon. Ça les réveille pas. Nul. Ok, la Légion de l'Aube. Très bien. Ok, bon bah écoutez, salut les mecs. Hein. S'il est revenu juste là à droite. Non, c'est bon. Ouf, putain, il me fout les boules ce mec. Je vous jure qu'il est creepy. Hein. Complètement creepy. Va s'opposer aux sentinelles. Je demande à voir. Ah, moi, je veux pas d'ennui. Cherche la guerre. Le premier crypteur. Ok. Statut d'alliance hebdomadaire. Le succès de l'enclave doit être partagé, pas vrai? Ah, n'hésitez pas à m'ajouter sur Origin à Monsieur Marcus Bonus, Monsieur MR. Marcus Bonus, bah, vous connaissez. C'est marqué au début de chaque vidéo. Vous n'avez qu'à le faire péter. Oh, nice. Crypteur. C'est ton job, ça, hein, c'est ça? Actualité, j'imagine que c'est le... D'accord. Ah là, j'y vais pas souvent, j'ai envie de... Oh, c'est une autre sortie, tout simplement. D'accord. Très bien. Là, il y a le bestiaire d'afficher, là. Je sais pas si vous aviez déjà remarqué, mais... Bon, c'est pas affiché en français ni en d'une langue connue, mais c'est mieux que rien. La radio, je peux pas l'allumer là. Salut les mecs. Ouh, nice. Amplificateur. J'ai un petit peu pensé à la matrice, quand même. Ah, non, je suis seul. Très bien. Mon ami, c'est toujours un plaisir de te voir. Ah, mais pour moi aussi. Ces histoires sur le mur. Oui. Et je me demandais de quoi il s'agissait. Quand un freelancer périt, on m'apporte son connecteur. De notre vivant, le connecteur nous relie à un crypteur. À notre mort, c'est un témoignage de nos derniers instants. Et tu couches par écrit ce qui s'est passé? Oui, en hommage au sacrifice des freelancers. Tu fais ça tout seul? C'est un honneur. C'est faut pas les pleurer, mais les célébrer. T'as raison. Honorer nos morts, rapporte-moi leurs histoires. Et éclaire leur retour au bercail. Faut que j'aille récupérer des trucs sur des cadavres. D'accord. Les histoires des freelancers tombés au combat se perdent. Rendez-leur hommage en rapportant leur connecteur à Fort Tarsis. Utilisés pour communiquer avec un crypteur, les connecteurs permettent également d'enregistrer des informations sur la vie d'un freelanceur. Les freelancers sont un genre bien précis d'historiens. Ils sont généralement capables de dire ce qui se trouve par-delà les collines, ce qu'il s'y est passé et, non sans une certaine réticence, le nom de ceux qui y sont tombés. Arcaniste Fel Watu. N'oubliez pas Liberalia, la cité de nos frères balayée en un instant. Ok. Owen. Viens par là, mon petit pote. Ça fait des gros trucs. Ah, tiens, salut. T'aurais deux minutes? Toujours, ouais. T'es mon lancier préféré, après tout. Ah bon? Je suis surtout ton seul lancier, non? Plus ou moins, ouais. Mais tu sais, ça m'arrive d'accepter des contrats en plus pour joindre les deux bouts. Je suis toujours ouvert aux opportunités quand elles se présentent. Ça te dérange pas, hein? Tant que je suis ton préféré. Avoue quand même que tu trouveras pas meilleur partenaire que moi. J'ai jamais dit le contraire. C'est vrai qu'on forme une belle équipe. Ça va, c'est bon. Pas la peine de me la jouer niaise, arrête ça. Oh. Bon, passons. En tout cas, les affaires reprennent maintenant que Corvus est intéressé. Quand on a sauvé ce Mathias, ça m'a rappelé notre premier contrat. Un vrai cauchemar avec des scars à la pelle. En 10 fois pire, c'était n'importe quoi. Je n'étais à Tarsis que depuis quelques semaines, et voilà que je faisais équipe avec le lancier qui avait survécu au Maelstrom. Ah, j'étais aux anges. Ma misérable existence de crypteur écervelé allait complètement changer. Un misérable crypteur écervelé? Comment ça? Après ma sortie du Satomi, j'ai pas mal roulé ma bosse.
J'ai trouvé un petit boulot sur un arpenteur, j'ai bourlingué vers Antium. Je sais pas si t'as remarqué, mais je m'ennuie facilement. Ça fait. Moi aussi d'ailleurs. Je te comprends. Moi aussi j'ai besoin de défis. Et c'est pour ça qu'on forme une si bonne équipe. On a soif d'aventure. Sans trop enfreindre la loi et sans me faire tuer. Mais parfois, c'est sympa de voir jusqu'où on peut aller, non ? Oui, il a raison. C'est vrai ce qu'on dit, que tous les crypteurs sont un peu écorchés. Puisqu'on discute à cœur ouvert, je me suis dit que c'était l'occasion de demander. Sauf si tu trouves ça trop niais. Niais. Quand on parle de ça, c'est surtout la colère qui remonte en moi. J'ai mis les pieds dans le plat ? Non. Le savoir est synonyme de pouvoir, hein ? Et oui, c'est vrai. Tous les crypteurs sont un peu écorchés. À vif, parfois. On gagne pas la faculté de se connecter à un autre esprit sans perdre quelque chose en retour. C'est différent pour chacun. Souvent, c'est pas grand-chose, mais parfois, on se retrouve complètement paralysé. Comme mort ? Non, jamais vraiment mort. On tire bien jusque-là. T'as pas l'air d'y avoir laissé trop de plumes. Et puis t'es un excellent crypteur. Merci. Et quand je serai moi-même lancier, tout le monde verra l'étendue de mon génie. Pourquoi ne pas juste améliorer en tant que crypteur ? Parce que je... On s'ennuie ? On s'ennuie. Et puis, c'est pas les crypteurs niveau machin truc qui manque. Qu'est-ce qu'il y a de génial là-dedans ? J'ai le droit de te demander si ça avance ? Quoi ? Les cours ? C'est plutôt comme un livre, en fait. Mais je m'accroche. Apparemment, j'ai ça dans le sang. Tu sais que moi, il m'a fallu des années ? Oui. Mais toi, c'est toi. Enfin, bref. Bon, en tout cas, je suis content qu'on soit pote. Toi alors, t'es vraiment pas banal. Merci. Attention quand même. À ta place, j'éviterai de trop m'attacher. Je plaisante. Je partage mon insécurité, c'est tout. Non, sérieusement, j'apprécie. Cool. Eh ben écoute, t'es un mec bien. T'es un mec vachement bien. Hein ? Toi aussi, t'as envie de me causer maintenant ? Ah ! Allez, Yaro. T'as réalisé des exploits, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Curiosité, qu'est-ce qui te marque le plus ? Les bons moments, les mauvais ? Allez, sois honnête. Je dirais les bons. J'ai tendance à vouloir complètement oublier et à y arriver plus ou moins bien des mauvais. C'est ce que je retiens, les victoires. Bien que ça de vrai, hein ? Il y a longtemps, j'étais dehors, près des portes de l'aube. Les étoiles brillaient comme jamais. Il y avait cet éclat particulier à cause de la pluie. Et là, j'ai entendu un bruit. Un bruit bizarre, impossible à identifier. C'était quoi ? Des enfants. Seul dans la jungle, loin de tout. Ils chantaient. Des enfants ? Qu'est-ce qu'ils faisaient là ? Oui. Comment j'aurais pu deviner ? Leur arpenteur avait subi une attaque. Je les ai raccompagnés chez eux. C'était un vrai miracle. Il y avait de la musique, tout le monde dansait. Secourir une bande de gosses ? Ça, c'est une belle journée. Ah oui, très belle journée. Mais l'un des enfants, un étranger le tenait par la main. Et ses parents ? Ils étaient morts à bord de l'arpenteur. On est censé être porteur d'espoir. Mais rien n'est jamais tout rose dans ce job. J'ai beau fêter mes victoires dans la joie, ça n'efface pas toute la tristesse du monde. Juste. Très très juste. Tout a un prix. C'est la rançon du métier. Très juste. Mais ça ne doit pas nous arrêter. Ils avaient beau avoir tout perdu, ces enfants chantaient. Tu comprends ? Oui, je vois. Ils étaient vivants. Je comprends très bien. Ah là 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 là. Tous ceux qui disent que c'est inintéressant et mort dans Fort Tarsis, c'est quand même de belles histoires, hein. Alors certes, tu vas pas te mettre à courir après un voleur en plein milieu de Fort Tarsis, même si ce serait assez fun, à vrai dire. Ici, t'es intouchable. T'es en sécurité. Et mes arpenteurs, mes cargaisons. C'est un petit con celui-là, hein. Je vais pas l'apprécier très long. Non mais sérieux, t'y vois quelque chose ? Ah oui, putain, il y a des petits trous dedans. Excusez-moi, ma petite dame, c'était un peu proche. C'était un peu trop proche. Très bien, la suite. Allez, hop. La 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 la. Hop là. 360 avant de rentrer. Ok, changer de mission. Une faveur à te demander. Ici, j'ai quoi ? Profondeur cachée. Rechercher le codex élysien. Ouh. Alors, rendez-vous sur les sites des freelancers tombés. Ah, c'est joli ça. Et celle-là qu'on a depuis longtemps, mesure préventive. Ah, j'ai envie d'aller chercher un petit peu ce qu'il y a sur les cadavres de nos potes. Ça pourrait être intéressant. Moi, j'aime bien Yaro en plus, c'est un personnage qui est assez intriguant de par son expérience.
Oh, oh, cette classe. Ok, on y est. Apparemment, on est que... On a perdu trop de collecteurs. On attend quelqu'un encore. Dans l'histoire des freelancers, troublez et rapportez-les. On n'oubliera pas leur sacrifice. Leur héroïsme. Dans les mémoires. Dans toutes les mémoires, tu comprends? On attend encore quelqu'un et le mec y va. Le site droit devant n'a pas été nettoyé. Il faut y remédier. Un freelancer est mort ici. D'autres sont venus finir le boulot. Il reste du travail. Victorieux seul, invincible ensemble. Ça y est, Monsieur Pomme est arrivé. Ça te va mieux comme ça ? Je suis allé dans mon propre, dans mes propres flammes. Je l'ai ici moi-même, autrefois, liquider la vermine. Ah, tu as bien combattu au long de tes flammes. Ça fait mal. Oh, d'accord, c'est sympa. Professeur, mémorial. On se retrouvera tous à la fin de ce monde. J'ai un nouveau site pour toi. Oui. Prêt. Merci. Tu peux me l'indiquer sur la map, s'il te plaît? Merci. Le prochain site promet d'être sanglant. Récupère les collecteurs des freelancers morts. Pour que tu puisses rédiger leur histoire. Oui. La bataille est récente, on dirait. Oui, très récente. De nombreuses histoires se sont terminées ici. Ah! Ça marche le port, la liquidation de ce salopard. Y'a pas un qui combatte? C'est nul! Ah! L'action me manque parfois. Voilà! Hop les! Oh, il attendait que ça! Très bien. La voie est libre, j'ai l'impression. Maintenant, cherche les collecteurs qui restent. Bah. Du matériel, oh. Mais pas de connecteur. Ah. Voilà. J'en ai trouvé un autre. Parce que tout son matériel est disparu. Toujours pas de connecteur. Toujours pas. Étrange. Couché. Appelez. Ça c'est fait aussi. Oula. Ouais, j'ai bien ce qu'il s'en va. Il y a quelques bugs quand même assez violents. Je crois que c'est les serveurs. C'est qui fait ça? En revanche, je sais pas pourquoi. Les survivants ont laissé un mémorial ici. Allume le feu. C'est bon, c'est allumé. Hein. Oh, de la santé et. Qui a pris ses connecteurs? D'ailleurs, regardez mon shield. Banni la civilisation. Des monstres. Et donc, maintenant. Je suis full. En même temps, j'ai pas tiré une balle depuis le début, quoi. Ok, on va rester. Proche de l'eau. T'inquiète pas, je les retiens pas. Pourquoi je retiendrai mes coups? Les voilà. Lâche sans foi ni loi. Mets la main sur tout ce qu'ils ont pris. Tout. Je vais essayer. Compte sur moi. Oh le pauvre. Ah mais toi t'étais vraiment au pire endroit pour faire ça quoi.
surtout de récupérer tout ce qu'ils ont volé. C'est très important. Mm-hmm. J'ai un connecteur ici. Ils veulent des connecteurs. Mais pourquoi? Ça n'a pas de sens. Fou. D'autres connecteurs. Il les poursuivait, c'est sûr. Rapporte tout ce que tu pourras. On devra les couvrir plus tard. On a un pote qui est tombé. J'ai remonté de nombreux poteries. Ça s'est jamais bien terminé. Okay. Les connecteurs que t'as récupérés vont nous permettre de rendre hommage aux disparus. Mais on n'en a pas fini. D'autres proscrits arrivent. Mais est-ce qu'aucun de ne mettre plus jamais les pieds ici? Où? Dis-moi où. Pourquoi y a-t-il si peu d'histoires affichées au fort? La plupart sont à Liberalia. Sur la même muraille. Après le Maelstrom. On est reparti de zéro à Fort Arsis. Toutes les histoires affichées à Liberalia ont été perdues alors? Salut! On a perdu l'essentiel de notre passé. Je sais pas où il est, mais je l'ai eu. Bon, j'ai réglé le problème déjà. Et puis c'est moi qui l'ai réglé, hein, c'est pas les autres. Ouais, je t'entends. Si c'est par là, mec, t'es un dieu. Putain, qu'il est bon. Ah, les nôtres l'ont trouvé. Un monument. C'est moi qui l'ai construit. J'ai pas pu m'y rendre depuis longtemps. Je vais le revoir. En l'honneur d'un freelancer. Un vrai héros. Une sacrée tête de mule. Demandez que les coques que t'as trouvé. Leur histoire sera écrite. Y'a pas de chest. Non. Très bien. Tapé. Ah. Ça fait du bien. Bon, d'accord. Intriguant. Moi j'aime bien en fait ces petites... c'est des petites quêtes qui sont assez réalistes entre guillemets. J'aime bien ce principe là. D'aller chercher ce genre de choses. Il y en avait dans quelques... Il y a quelques quêtes World of Warcraft qui faisait ça, et j'ai toujours bien aimé parce qu'en fait c'était vraiment ramener, moi j'aime bien dans ce principe là, ramener les mecs à la maison, ramener leur mémoire à la maison. Je sais pas, ça m'a toujours trouvé, semblé normal de le faire. Je sais pas vous. Oh, ce bourrage d'XP! 500 points de plus que le mec à côté quoi. Ok, on a tombé quelques petites choses sympas. Mais sinon... on a peut-être de quoi améliorer notre puissance en règle générale, mais... enfin, notre puissance de bouclier en règle générale. D'armure, je vais y arriver. Mais au-delà de ça, pas grand-chose. On va aller voir ça. Non, même pas, vous voyez. Ça, c'est clair. Très bien. Niveau 12, on va débloquer, par contre, un slot supplémentaire. Ça, c'est cool. Ok, bon. Ok, nous revoilà dedans, donc retourner parler à Yaro. Très bien, on va aller parler à Yaro, il va être content qu'on lui ait rapporté tout ça. Mais du coup, ça va pas nous rapporter d'XP, j'imagine. C'est simplement progresser dans le contrat. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Hein. Kono Yaro! Oh, tiens. Oh, il a rangé! Ah, c'est cool! Hein, et avant, il n'y avait pas les petites parties jaunes, je crois. Je les voyais pas, en tout cas. Et là, du coup, il raconte les histoires en question, comment ils sont morts. Oh, c'est trop cool. C'est pas simplement un bestiaire, en fait. Je suis con, c'est pas le bestiaire. C'est les histoires des mecs. Oh, j'adore. On va voir ton bouquin. Très bien. Des ennuis vers les tombes, hein. Ouais, les proscrits. C'est pas... que tu as trouvé. Jamais des ennuis. Ils sont précieux pour moi.
mais... Ils valent pas un repas chaud? Pas même une bouteille de fortune. Trop d'histoires détruites. Quand la grande muraille de Liberalia est tombée, tous nos frères d'armes morts, ce qu'ils avaient accompli... La dernière tombe que j'ai visitée, c'était... Celle d'un ami. Jamais revenu de mission. J'ai érigé cette stèle pour lui. Pour l'heure, j'ai des tas d'histoires à écrire et de vers à lever. Oh! Ça me dérange pas. C'est quoi? Ils méritent qu'on les célèbre. Tu as raison. Et même si c'est dans l'alcool. Et la débauche. Et ce genre de choses. Je peux participer finalement en fait? Non, je veux. Non? Bon, très bien. Eh bien écoutez, les amis, sur cette information extrêmement triste. Jack Lavin, toujours occupé? On va aller parler à Jack Lavin. Je devais m'occuper d'Escar pour un contrat. Je suis arrivé alors qu'il s'intéressait à une relique. Heureusement, des amis m'ont rejoint. Il y avait des élémentaires, des Escar partout. Puis un Korox en chaleur est arrivé. Il s'est passé quoi? Un peu de travail d'équipe, de belles manœuvres et un tir vraiment chanceux. Et du coup, la relique a été neutralisée. Le Korox s'est fait de nouveaux amis et on s'en est tous sortis. Je commence à comprendre d'où vient ton surnom. Ça aurait pu mal finir. Ça oui. Mais c'est à ça que sert la famille. Invincible ensemble, pas vrai? Ah, voler seul n'est pas si mal. J'aime travailler en équipe. C'est vrai que j'aime le free play, c'est pas mal. Ouais, c'est le meilleur. Mais t'es tout seul. T'as beau être avec une escouade, t'es tout seul. Plus il y a de monde, et plus ça fait. En équipe, les petites missions, c'est bien. Comme s'occuper d'un Korox en route. Ça, je l'oublierai pas. Dommage que préparer la prochaine mission soit pas aussi facile. Il y a un problème? Mes amis et moi, on pensait partir sur un autre contrat. Le dernier s'est bien passé, donc pourquoi pas, tu vois. Mais ils sont pas d'accord sur le choix du contrat. Moi, je m'en fiche. Du moment que ça m'en fait un de plus dans la liste. Quelles sont les options? Un arcaniste qui recherche une cache perdue. Le côté mystérieux m'intéresse. Ou le fort, qui a besoin de protection contre des animaux dangereux. Action garantie. Moi, je serais plus partant pour l'inconnu. Même si j'aime beaucoup l'action. C'est l'occasion de découvrir des secrets perdus. Ouais, c'est ce qui est génial dans ce boulot. Très bien, je vais suivre ton conseil. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance. C'est sûr. À bientôt. Génial. Absolument génial. Hop. Alors, je vais me faire insulter par le mec. C'est toujours basé au fort. C'est une meuf. Une poignée. Ils tiendront pas longtemps. Mieux vaut laisser les sentinelles au commun. Bande de nazes, allez vous faire foutre. Pardon, sorti tout seul. Tu fais la queue depuis 3 jours. Bonjour madame. T'es une marchande? Tu vends quoi? T'es un freelancer, n'est-ce pas? Comment t'as deviné? Le logo. J'étais... Peu importe. T'as besoin de quelque chose? Combien ça coûte de passer un contrat avec toi? Ça dépend. Ça dépend de la mission. Mon fournisseur de céréales a suspendu son activité pour résoudre un différend familial. Ça sort un peu de nos prérogatives. Oh non. Qu'est-ce qui se passe au juste? C'est mon commerce. Mes parents sont plus là, je suis seule. Au fait, je m'appelle Maura. Salut Maura. Des fruits, des légumes, mais surtout des céréales, aux boulangeries. Et ton fournisseur ne te livre plus à cause de son différend familial. C'est ça. Le truc, c'est que j'ai une solution. Enfin, je crois. À savoir? Une culture. Une culture à l'intérieur de ces murs. C'est clairement une bonne idée. Une culture à l'intérieur, parfaitement autonome. Pas besoin de sortir du fort. J'ai trouvé un moyen. Je l'ai trouvé. J'ai conçu un prototype. Une seule graine, mais elle pousse. Fais-le. Fais-le, fais-le, fais-le. Là, on est à une époque où c'est de la survie pure et dure. Lance-toi. Donc, OGM ou pas, j'ai pas les ressources. J'ai c'est nécessaire d'aide d'être, de nourrir. Peut-être une opportunité. Les ventes de fruits pourraient croître, non? Peut-être. En tout cas, merci de m'avoir écouté. C'est très aimable, venant d'un étranger. C'est la manière de faire des freelancers. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Et si tu as besoin de fruits un jour... Je saurai où te trouver. C'est nécessaire, pour la simple et bonne raison que même si vous mangez quelque chose qui est moyennement bon ou pas bon, vous avez mangé, vous n'avez pas faim. La faim est encore pire, je pense, que ce qui est dégueulasse. Entre guillemets, dans un groupe, hein, je veux dire. Hein. Donc, il faut manger, donc tant pis. Là, si ça marche son truc, c'est génial. On devient en plus autonome, donc on ne dépend plus des autres. C'est tout con, hein, mais... C'est extrêmement nécessaire. Salut! Eh bien, je savais que vous alliez revenir. T'as vu ça? Certainement parce qu'on a les meilleurs composants de ce fort.
T'arrêtes de toujours réparer. Vous avez des yeux magnifiques. Non, mais merci. Pas vraiment, mais c'est gentil de dire ça. Ils ont un éclat particulièrement intéressant. Et la dernière fois, comment on a vu ça? À des yeux de Korox. Ouais, j'ai un faible pour les Korox. C'est dingue, je sais. Les régulateurs sont censés ne penser qu'au boulot. Pas vrai? J'imagine, si c'est ce qu'on dit. C'est ce que dit ma famille, mais je m'en fiche. J'ai mes propres rêves. Et mon rêve, c'est de caresser un bébé Korox sauvage. Il faudrait sortir du fort pour ça, non? Je m'en fiche, j'ai pas peur. Et j'ai un plan. Mauvaise idée, trop risquée. T'es mignonne, mais... Off, les rêves d'abord. Si c'est un rêve, il faut foncer. C'est ce que mon cousin Delton m'a dit. Je pense que je vais me lancer. D'accord, mais il faut faire attention, c'est dangereux. Ouais, ouais, je sais. Vous en faites pas, c'est pour ça que j'emmène Delton. Je sais pas où il a trouvé ça, mais Delton a un flingue de folie. Je pense que ça ira. Je l'espère. Ah, au fait, pensez à regarder notre nouveau stock. On a de bonnes marchandises. T'as toujours le même truc, hein. J'irai chercher Delton, et ensuite, j'irai caresser un bébé Korox. La Barbonie, elle va lui manquer un bras, vous allez voir. Pardon, hein, c'était ultra glauque ce que je viens de dire, mais... Ouais, t'as toujours le même truc, quoi. Nous venons de recevoir d'excellentes marchandises. Et toi ? Et là, la une, il y en a encore pour combien de temps ? Un jour et 19 heures, d'accord, ok. Celui-là, j'aime bien le style de celle-là, mais... Et bien les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce viriser, le commenter, le partager, vous abonner. Moi, je vous retrouve demain pour la suite des aventures de Marcus Bonus, le freelanceur à bord de son colosse. Son magnifique colosse qui est juste sublime. Hein. Admettons. Soit dit entre nous, il est magnifique. Hein. Absolument magnifique. Oh là 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 là. Salut les gens et yo!